Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto sur FM 2013, le tuto qui concerne la MLS, la Major League Soccer. C'est le championnat des États-Unis de football où jouent notamment Thierry Henry, Tim Cahill, David Beckham, Rafael Marquez. Il y a d'autres joueurs, Landon Donovan, je ne sais pas si vous connaissez. Donc pour cela, je vais aller dans une nouvelle carrière. On va pas mettre beaucoup de championnats par contre. Parce que c'est. Enfin. Voilà, je mettrai que les MLS. Et puis je continuerai pas la carrière. Hein, c'est juste pour vous montrer. J'espère que ça sera pas long. Je mettrai juste la MLS. C'est vraiment un tuto où j'expliquais comment on fait les matchs. Enfin, comment on fait les matchs. Comment les équipes sont réparties dans le championnat. C'est pas une poule unique, un peu comme la France, l'Espagne, enfin un championnat classique d'Europe, quoi, où toutes les équipes s'affrontent deux fois en match aller-retour. Là, on est divisé en deux poules, enfin, pour vous expliquer ça, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il faut que je vérifie. On ira. Je couperai. Non. Je vais essayer de tout vous expliquer, mais il y a des trucs, j'ai un doute, donc on verra bien. Suivant, MLS. De toute façon, on ne peut pas jouer en dessous de la MLS. On débutera aux États-Unis en janvier 2012. La base de données sera étendue. On fait débuter la partie. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à charger. Ça va aller vite. Alors, les projets. C'est-à-dire qu'on va continuer la carrière sur avec Carquefou. Hein, j'espère qu'on va se rattraper de ce match nul. Concédé à la dernière seconde à QI. Mais je pense qu'on va bien se rattraper. J'ai pas vu avec vous quand est-ce que j'allais filmer la prochaine fois. Parce que j'essaye d'écourter un peu mes vidéos. Parce que le convertisseur de vidéo est très lent. Parce que si je vous mets des vidéos Fraps, il y a des vidéos de 160 gigas. Par exemple, la vidéo de mon premier épisode où j'ai présenté un peu le jeu et tout. Il durait 1 heure et pour 165 gigas quoi. Donc je suis obligé de convertir, c'est évident. Donc il est 3h30. Voilà. J'ai le temps de peut-être de faire un autre épisode sur FM, sur la Quevilly. Est-ce que je vous fais un peu des échecs peut-être? On fera peut-être, plutôt que continuer Quevilly, on fera. Une petite session de jeu sur europeechec.com. Peut-être. Avec des blitz 3 minutes. On verra. Je pense que je ferai ça. Enfin, je pense que cette vidéo va me prendre bien une demi-heure. Plus la convertir après, ça va prendre du temps. Enfin, bon. Donc, vraiment, je sais pas si j'aurai le temps, mais je vous la fais si j'ai le temps. Parce que bon. Ma chaîne, c'est quand même les jeux vidéo, mais c'est aussi les échecs. Et je veux pas laisser. J'en ai pas fait beaucoup des vidéos sur les échecs, j'en ai fait que deux. On va dire. Trois, on va dire trois avec le petit tour des sites varois. Je vous montrerai peut-être des trucs sur internet que je peux vous montrer. Enfin, ça, on verra bien. J'espère que ça va pas être long parce que c'est pas notre sujet d'attendre que la partie se charge, quoi. C'est un peu bidon. Création de championnat et coupe, ça va aller vite. Il n'y a pas grand-chose en MLS. On a une coupe des États-Unis, je crois, et la MLS. Donc, de toute façon, ça va pas être long. Création des objectifs entraîneurs. Ok, attribution. Ça devrait pas être long non plus. Parce qu'il n'y a que 16 équipes, il doit y avoir. Enfin, on verra exactement tout. Je vais essayer de tout vous expliquer. Il y a des matchs qu'on passera. Hein. Évidemment, parce que j'irai jusqu'à la draft, qui est à peu près à la fin de la pré-saison. Donc on passera les matchs. Là, il n'y aura pas du tout de gameplay en match, quoi. Bon, ça peu importe. On va quand même être footballeur professionnel.
Alors, on va voir. Donc, on a, il me semble, 16 équipes. Attendez, on va compter. Il me semble qu'il y en a 16 ou 18, je sais plus. Enfin, moi, je prends New York, c'est sûr. Mais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 équipes. Attendez. 1, 2, 3. Oh, pardon. Excusez-moi. 15, 16, 6, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je sais pas exactement, enfin bon. On n'en a rien à faire. Par contre, on va pas prendre les New England parce que là, on va prendre New York. Je vais pouvoir tout vous expliquer. Non, on va pas ajouter dans son entraîneur. Non, on va pas sauvegarder. Hop. Donc, on a un match contre Carolina, je sais pas qui. On n'en a rien à faire. Ah oui, il y a quand même plein de matchs de pré-saison. Face aux Estudiantes, Victoria Pilsen, enfin bon. Peu importe. Donc on va aller dans MLS. Voilà, vous voyez, donc il y a 19 équipes, c'est ça. Vous voyez, les équipes sont réparties en deux poules. Deux poules de 9 et 10 équipes. Donc... Conférence Est, Conférence Ouest, un peu comme dans les sports US. Donc tout le monde affronte deux fois les équipes de sa poule, ça c'est sûr. Et après, il y a des matchs bonus contre les équipes de l'autre poule. Ça fonctionne comme ça. Donc maintenant, si vous avez compris, donc tout, voilà, vous affrontez deux fois toutes les équipes de l'autre poule, plus vous avez des matchs bonus contre les équipes de l'autre poule. Et donc on a trois équipes qualifiées directement pour les quarts de finale, plus deux, j'imagine, deux barrages dans cette poule, donc ça fait deux matchs de barrage, plus deux qualifiés, ça fait huit qualifiés pour les quarts de finale, ça doit être ça. Donc, réputation de la compétition, on n'en a rien à faire. Maintenant, alors là, maintenant, là c'est là qu'on va... Vous allez un peu rigoler, mais c'est pas drôle parce que c'est compliqué. Enfin, vous allez voir. Vous allez halluciner, mais c'est ça le règlement. Je vais tout vous dire. Alors, vous avez 30 joueurs dans l'effectif. Alors, on est bien d'accord. Sont considérés comme maximum 10 internationaux. C'est-à-dire 10 joueurs qui jouent avec leur... Alors, donc d'accord, ça, internationaux, c'est les I. Donc vous avez le droit à 10 joueurs étrangers. Alors, maximum 3 joueurs désignés. Alors là, il faut que je vous explique. Parce que, alors ça, comment vous dire? C'est pas simple. Du tout. Alors, sont des joueurs désignés. Des joueurs qui dépassent le salaire de la masse salariale plafonnée. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que la masse salariale plafonnée? Vous voyez, c'est ici en bas. Je vous montrais avec la souris. Ici, elle est limitée à 47 796 euros par semaine. Donc ces joueurs, comme Tim Cahill, ils doivent toucher plus que ça. Logiquement. Voilà, il touche 48,5K par semaine. Et donc, on a Thierry Henry quelque part, sans doute, voilà. Lui aussi, parce que lui, il a touché plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, vous êtes limité à trois de ces joueurs qui dépassent cette limite. Donc, voilà, vous avez Thierry Henry. Et le troisième, ça doit être Raphaël Marquez. Raphaël Marquez, qui touche lui 64 000. Donc il dépasse bien sûr la limite de 48 000.
C'est la limite. Donc, la limite est la même pour tous les clubs. Vous avez droit à 3 joueurs au-dessus. Qu'est-ce que c'est que TG? Je ne sais pas. Transfert gratuit. Ah, parce que il doit être un... Le contrat a dû expirer. Non. On va lui offrir un nouveau contrat, je pense. Voilà. Jusqu'en 2015. Comme ça, on est tranquille. Finaliser l'accord. Donc, on résume. Pas plus de 20 joueurs sous contrat senior. Ah oui, les contrats seniors. Oh là là, comment vous expliquez ça? Comment je vais vous expliquer ça? Bon, un contrat senior, qu'est-ce que c'est exactement? Senior de base. Bah, vous verrez, vous n'avez pas droit à plus de 20 seniors de base. Mais alors, vous expliquez exactement ce que c'est. Je sais pas, ST, c'est quoi? Joueur formé au club. Joueur actuellement sous contrat stagiaire. Oh là là. Ah oui, je découvre des trucs. Parce que les seniors de base, on s'en fout un peu. Vous avez droit à 20. Donc vous les comptez. C'est tous ceux qui ont SB. Mais stagiaire, je sais pas ce que c'est. Alors là, jeune. Contrat de développement. Contrat de développement. Vous voyez en bas, c'est un peu tout expliqué. Sous contrat jeune, stagiaire inclus, on a droit qu'à 6 joueurs. Maximum 3 gardiens. 4 gardiens maximum dans le groupe. Donc on aura un gardien junior supplémentaire. Masse salariale plafonnée, elle est 47 787 euros. C'est la même pour toutes les équipes de la ligue. Donc, maximum 30 joueurs dans l'effectif. Maintenant, c'est là où on va rigoler un peu. Sébastien Letout, ah oui, lui je l'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est un très bon joueur. Bon, on n'est pas là pour aller admirer l'équipe. J'en ferai peut-être une de carrière avec eux, mais bon, on s'en fout un peu. Donc, 15 joueurs minimum dans l'équipe. Donc, ah oui, et tous les joueurs qui ne vont pas être enregistrés, eh ben, sont libres de tout contrat. En gros. Vous aurez enregistré vos 30 joueurs. Tous ceux qui ne sont pas enregistrés, ils sont plus à vous. Ils sont laissés libres. On ira donc jusqu'à la draft. Voilà. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Donc voilà. Donc c'est assez compliqué. La draft, finalement, c'est pas compliqué. Vous comprendrez assez vite. Donc, quand vous recrutez des joueurs, il faut faire attention à tout ça. Je sais que c'est pas simple, mais bon. Je sais que voilà. J'espère ne pas vous décourager de prendre une équipe de MLS. Hein. C'était exactement l'effet inverse hein, qui est recherché. C'est vous laisser vous en donner envie de jouer une MLS. Donc voilà. J'ai tout expliqué. On va continuer. Et donc. Milisovic à la tête de New York, on s'en fout, on va pas aller à la Réunion, c'est pas le sujet. Les responsables du recrutement, on n'en a rien à faire. Ah, ils veulent que j'achète Montero. Donc, admettons, je fais l'offre pour Montero. Comment ça? Date limite de décision. À fonds alloués au transfert. Ah oui, mais j'ai 35K. Ça va pas marcher. Ça, vous voyez. Et en plus, j'ai plus de place pour des joueurs étrangers, donc c'est pas la peine. Mais c'est un bon joueur, Montero. Donc j'aurais bien pris, mais on peut pas. Ah, Rimando. Alors là, on va faire très gaffe. Alors, Rimando.
On va lui proposer une période d'essai. Je sais pas à quoi ça correspond. Enfin, je sais que c'est une période d'essai, mais. Enfin, voilà quoi. Donc, j'irai jusqu'à la draft dans ce tuto pour bien tout vous expliquer. Le groupe annoncé, bon, peu importe. De toute façon, on n'a rien à faire. Puisque c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'aller jusqu'à la draft. Pour bien vous expliquer la draft. Que vous prenez des joueurs, en fait vous prenez des joueurs chacun à son tour, c'est un peu comme le basket, mais vous devez les enregistrer pour les garder. Donc on refuse, on n'en a rien à faire. Peu importe. À la draft. Elle est quand la draft? Je sais même pas quand elle est. Enfin, c'est assez simple, je sais pas si je vais vous la montrer en fait. J'espère vous avoir éclairci. Un peu. La draft, la draft. Voilà, le marché transfert ouvre. La draft. Ben, comment dire? La draft, est-ce que je vous la filme? Pas franchement, je vous dis la vérité, c'est tellement enfin, ça sert pas à grand chose. Donc, vous chacun draft un joueur à son tour. Je vous explique comme ça hein, quand ça débute. Vous choisissez un joueur parmi ceux qui sont proposés, vous le prenez ou vous le prenez pas. Pour le garder, il faut l'enregistrer dans l'effectif. Donc, voilà, on va arrêter là ce tuto parce que j'espère que ça intéressera du monde et j'espère que ça vous aura aidé. Je vous ai un petit peu démêlé le règlement. J'espère vous avoir pas oublié de choses. Donc pensez bien à enregistrer tous vos joueurs si vous voulez pas qu'ils partent. Faites gaffe au nombre d'étrangers. Faites gaffe aux joueurs désignés, que vous avez droit qu'à 3 joueurs désignés. Donc 3 joueurs qui dépassent votre masse salariale. Donc regardez bien, 3 gardiens. Senior maximum, senior de base, il n'y a droit qu'à 20 seniors de base. Regardez bien l'icône, n'en prenez pas plus de 20, de toute façon, lisez bien, ça vous sera indiqué. Voilà, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense à un live sur europechec.com. Allez, à plus.